Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review. Et la review de Venus McFly Trap de Coffin Bean que j'ai eu à Carrefour. Donc, je l'ai déjà dévoilé, mais je vais quand même montrer la boîte. Désolé. Le commande, etc. Donc, Venus, son artwork, Venus McFly Trap, son prénom, logo de, enfin, Coffin Bean. Donc, on voit, voilà, le petit café, le côté. Donc, Venus, fille, attendez. Enfin, une bande carnivore, donc il y a Rebecca, Vénus et Toyla. Donc c'est écrit l'endroit idéal pour se rendre à Mions. Donc voilà là. Et le décor de la boîte, voilà. Donc, voici Vénus. Trop belle. Donc, ses cheveux. Elle a son crème rasée rose. C'est ma toute première Vénus. Donc, elle a ses cheveux verts avec ses mèches roses. Et elle a les cheveux bouclés. De très jolis. Jolis cheveux. Attendez. Donc, avec ses cheveux, donc bouclés sur le côté, comme ça. Donc, son maquillage sur ses est vert, les yeux bleus. Son rouge à lèvres est vert. Donc, sa tenue. Donc, elle a une robe avec des genres de ronces, des épines en décor, avec une robe rose, avec des genres de petites feuilles là. Par-dessus, elle a un genre de t-shirt déchiré. Elle a toujours ses bracelets, genre de plantes. Là. Donc, là, c'est plante aussi. Ses chaussures, elle a des lacets, une genre de bouche, enfin c'est de bouche, ouais, carnivore, enfin des dents ouvertes avec des genres de petites lianes sur ses talons. Donc ça, c'est la poupée. Elle a un accessoire comme c'est du coup sa petite boisson verte avec une genre de petite plante. Donc voilà. Donc c'était la review de Vénus.